que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, aux dieux sanguinaires, en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait. Te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit, donne-moi la vie de ton fils unique, toi, tu obéis. Tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie.
Seigneur, à laquelle nous sommes tous appelés, règne dans nos cœurs. Amen. Amen. Voici le cri de la détresse des hommes. La joie de notre cœur a cessé. La couronne de notre tête est tombée. C'est pourquoi notre cœur est dans la tristesse. Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié? Sa bonté est-elle épuisée? L'Éternel parle. Il dit, je connais les projets que j'ai faits pour vous. Projet de paix et non de malheur. C'est moi qui vous console. Je vous consolerai comme une mère console son enfant. Et Jésus-Christ affirme, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Veuillez vous asseoir. Il entasse et ne sait qui ramassera. Dès lors, péché, ne m'expose pas à l'insulte des fous. En punissant la faute, tu corriges l'homme et tout homme s'est vivant. Et vous dans l'être plus rien. Amen. Jésus, tu mourras pour moi. Jésus.
pouvoir. Le jour du jugement éternellement. Les bénédictions les plus grandes sont les justifiés dont nous jouissons maintenant dans la vie présente. Romains 8, que tu sois justifié au jour du grand jugement au nom de Jésus-Christ. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Père, glorifie ton Fils afin qu'il bénéficie de la couronne de gloire qui est réservée à ceux-là qui ont marché selon ta volonté, Jésus-Christ. Car ta parole déclare dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce et par la foi et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Père, ton Fils a combattu le bon combat. Il a achevé sa course. Et maintenant, donne-lui sa couronne de gloire, qui n'est autre que d'être auprès de toi au paradis. Père, avec conviction et assurance d'une affirmation certaine, Papa Mbetia t'a appartenu jusqu'au dernier jour. Père, nous prions pour que tu continues l'œuvre que tu as parfaite dans sa vie. Au Seigneur soit glorifié. Et sans espoir, sans espoir de nous quitter sans espoir. Par le sang de Jésus, mon sauveur.
empêcher le pouvoir. C'est en Christ. Si dans ton cœur tu veux dire, je suis fort, et plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Par son esprit, jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. On fait le tour. Oh,
Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre.